Merci les jolies filles. Elles sont belles nos plantes, hein? Non? De belles couleurs, plein de soleil, plein de joie. Bon sabbat à tous. Heureux de vous revoir encore en ce beau jour de sabbat. Un jour spécial, un jour, une journée internationale de prière des femmes. Voilà, une fois de plus encore, nous sommes arrivés à cette journée qui... est prévue de la conférence générale pour toutes les femmes, un sabbat, le premier sabbat du mois de mars. Et nous voici au premier sabbat du mois de mars. Alors, cette année, notre journée de prière est centrée sur un thème central qui est J'irai. J'irai, c'est le thème que l'Église adventiste mondiale du septième jour pour les années 2020 à 2025. Et pour cela, le ministère des femmes a adapté justement ce thème. J'irai atteindre le monde autour de moi. Alors, l'auteur du sermon d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui, elle s'appelle Daniela Schubert. Alors, cette dame, à l'heure actuelle, elle est membre de l'équipe du Discipula, section mi-femmes, qui se trouve en Australie. C'est la responsable
du département des femmes et qui se trouve à la division du Pacifique Sud en Australie. Et cette femme, c'est ce que vous voyez à l'écran, elle a également œuvré en tant que secrétaire associée pour la division ainsi que assistante du président de la division. C'est cette femme que vous voyez à l'écran. Elle nous a justement préparé ce thème de ce jour de sabbat, le thème « J'irai ». Alors, notre serment d'aujourd'hui, « J'irai ». Aimez-vous les histoires? Il y en a qui n'aiment pas les histoires. Moi, j'aime les histoires. Alors, aujourd'hui, nous aurons le privilège d'écouter des conteuses d'histoires ce matin. Alors, aujourd'hui, nous entendrons quelques récits des personnes, des femmes qui ont fait face à des situations difficiles. Et chacune de ces femmes devait prendre justement une décision, qui changerait le cours de leur vie. Alors, si le choix n'a pas été autre, l'histoire d'aujourd'hui que nous connaissons serait différente. Et ce, non seulement pour elle personnellement, mais également pour la terre entière. Le Saint-Esprit vous parlera à travers ces histoires. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit afin d'entendre le message du Saint-Esprit. Amen. Nous allons entendre la première histoire qui sera contée par une belle conteuse. Merci. Bonjour et bon sabbat à tous. Alors, mon histoire. Elle était belle, jeune belle fille, comme moi. Mais elle était célibataire. Bon, je ne suis plus célibataire. Et comme la plupart des jeunes filles, elles pensent souvent à leur avenir. Elles rêvent beaucoup. Que vais-je faire plus tard? Vais-je me marier? Ou vais-je habiter avec mes parents toute ma vie? Et si je vais me marier un jour, avec qui vais-je me marier? Avec quel garçon, n'est-ce pas? Serait-il un bon partenaire pour moi? Serait-il beau, comme mon chéri, gentil, riche? Possède-t-il un bon travail, une belle maison, etc., etc. Mais cette belle jeune fille, son travail de tous les jours était d'aller puiser de l'eau. Ce n'était pas une tâche facile. Et ce jour-là, en s'approchant du puits, elle aperçoit un étranger qui était visiblement venu de très, très loin. Elle n'avait aucune idée. Mais ce jour même, cette rencontre avec cet étranger va complètement changer sa vie. Est-ce que vous devinez de qui il s'agit? De qui est? De Rebecca, bien sûr. L'étranger avait très soif. Bien sûr, la jeune fille va lui donner à boire. Mais elle fit plus. Elle donna aussi à boire à ses chameaux. Ce n'était pas une tâche facile, mais elle le fit de bon cœur. Et sans le savoir, cette action était la réponse de Dieu à la prière de cet homme. Elle remarqua que cet étranger la fixait du regard. Il regardait tout ce qu'elle faisait. Et quelle surprise!
elle vit qu'il était en train de sortir quelque chose de son sac. Eh bien, c'était un anneau d'or et deux bracelets. Oh, cet homme lui a offert un anneau d'or et deux bracelets. Elle a bien de la chance, la jeune fille. Qui n'aimerait pas recevoir un tel cadeau, n'est-ce pas? C'est une belle surprise pour elle. Puis l'homme va lui poser quelques questions. De qui es-tu la fille? Et qu'est-ce que vous répondez? Rebecca est la fille de qui? C'est le frère de... Alors, Rebecca, c'est la fille de Bethuel. Laban, c'est son frère. Voilà. Bethuel est le frère d'Abraham. Hein, c'est de la famille, hein, c'est parenté. Voilà. OK. Donc, Rebecca va répondre à toutes ces questions. Poliment. Elle courut aussitôt tout raconter à sa famille, chez elle. Et son frère, qui avait tout entendu, s'empressa alors d'inviter l'étranger à loger chez eux. Ils l'accueillirent avec beaucoup d'hospitalité, mais l'homme refusa de manger sans leur exposer avant le but de sa visite. En effet, il était le serviteur d'Abraham et que Dieu l'avait richement béni. Et il désirait que la jeune fille, Rebecca, accepte de le suivre dans son pays pour épouser le fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. Sa famille accepta. Oh là là, il était question de mariage. Hein? C'est un heureux événement, mais aussi une grande organisation, n'est-ce pas? Mais quel choc! Parce qu'il fallait partir le lendemain matin. Pas le temps de profiter encore de ses parents ou de son frère. Vous êtes-vous déjà trouvé dans cette situation, les parents, où votre enfant bien doit partir? Non, non, hein? Alors pour Rebecca, il fallait qu'elle décide le plus tôt possible. Bien sûr, nous on aime prendre le temps de réfléchir, hein? De poser le pour et le contre avant de décider. Eh bien, dans notre histoire de ce matin, la jeune fille n'avait aucune indication. Reverrait-elle un jour ses parents, son frère? Était-elle suffisamment prête pour le mariage? Est-elle sûre de vouloir quitter sa famille pour un homme qu'elle ne connaît pas? Eh bien, nous pouvons lire sa réponse dans Genèse, le chapitre 24 et le verset 58. La famille appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et qu'est-ce qu'elle répond? « J'irai. » Amen. Écoutons la suite, histoire numéro 2. Bonjour tout le monde, moi ça va. Donc vous avez droit à une deuxième histoire. Alors notre deuxième histoire, elle prend place dans une période qui est très difficile.
Donc, il y avait 20 ans d'oppression par un gouvernement étranger dont les armées étaient bien supérieures aux autres. Donc, 20 ans, c'est long, très très long. C'est pratiquement l'âge que j'ai actuellement. Donc, vous voyez un peu. Du coup, plusieurs générations de personnes ont eu le temps de naître et de grandir dans cet environnement cruel. Puis est arrivée une révélation. Une femme a reçu un message de la part de Dieu. Dieu avait un plan pour libérer son peuple de cette oppression. Et cette femme a donc agi immédiatement. Alors, selon la révélation de Dieu, elle devait délivrer le message à un homme qui allait faire sortir le peuple de son esclavage. Elle jouerait donc le rôle de messager. Dieu voulait attirer les forces ennemies dans une grande zone plate près d'une rivière. Donc, quand les soldats ennemis arriveraient dans cette zone, ils resteraient coincés là-bas à cause de tout leur armement au moment où Dieu enverrait la pluie. Ils resteraient bloqués. Et le piège serait ainsi parfait, car il serait facile à ce moment-là de maîtriser les ennemis dans de telles conditions. Et comme cela, la nation serait délivrée. Donc cette femme était une personne bien connue, très respectée. Elle était juge et prophétesse. Et les gens venaient tout le temps vers elle pour résoudre leurs différends. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agissait ? Oui, c'est bien Déborah. Donc Déborah a demandé d'aller chercher celui qu'on surnomme la foudre pour l'amener à elle. Mais lorsque celui-ci est arrivé et a entendu le message de Dieu, au lieu de se réjouir, il n'était pas du tout emballé. Il a répondu en donnant un ultimatum, et un étrange ultimatum. Il a dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. » Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc notre messagère, elle ne pouvait pas en croire ses oreilles. Donc au lieu d'entendre « c'est un plan fantastique, je suis prêt, je ferai ce que tu as dit », elle a eu droit à une sorte de « je ne suis pas intéressée ». Donc jusqu'à présent, la Bible nous a présenté uniquement des hommes au combat. Les femmes n'avaient pas l'intention de s'impliquer dans des projets militaires, ce n'était pas leur domaine. Elles avaient d'autres devoirs. Et vous, est-ce que vous avez déjà été dans une situation où tout à coup, un événement vous a obligé à changer complètement votre façon de voir les choses? Probablement que oui. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme, Déborah. Du coup, qu'a-t-elle fait face à cette situation? Eh bien, nous trouvons sa réponse à l'ultimatum de Barak, donc la foudre, dans Juge au chapitre 4 et au verset 9. Elle a donc déclaré, « Très bien, j'irai avec toi. » Voilà l'histoire. Vous êtes toujours avec nous? Oui, merveilleux. On va écouter la suite, troisième histoire, avec Hinarava. Merci Hinarava. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous l'avez compris, le but du jeu, c'est de deviner qui est le personnage des histoires. Alors, mon histoire, la voici. Cette femme avait épousé un homme étranger qui n'avait pas la même religion qu'elle. Son frère était marié également avec une femme de son village. Et naturellement, comme tout mariage, une adaptation était nécessaire. Chacun entre dans la relation avec ses goûts, ses habitudes, ses manières, sa langue et sa façon de penser. Dans cette famille, on s'occupait d'un sujet particulièrement important. À votre avis, quelle est-elle? Non, je ne parle pas du personnage, je parle du sujet. Alors, c'est la religion. Mais vous avez raison, c'est bien Ruth. Sa religion était très différente de celle de son mari et elle commença à admirer le Dieu de son époux et sa religion. Il y eut un coup dur pour la famille. Son beau-père mourut tout d'abord. Sa belle-mère était inconsolable. Ruth aimait beaucoup sa belle-mère. Alors, pour toutes les belles-mères, nous pouvons en tirer une leçon. C'est... Essayons d'être en bon terme avec nos belles-filles.
Ensuite, la suite de mon histoire, comme si la mort de son beau-père n'était pas assez, il y eut deux autres morts. Celle de son mari et celle de son beau-frère. Une maladie prit tous les hommes de cette famille et Ruth était inconsolable. Puis une nouvelle arriva, elle entendit que la famine responsable de l'exil de sa belle-famille avait pris fin et sa belle-mère décida de retourner dans son pays natal, donc la belle-mère de Ruth. La décision initiale fut que les trois femmes partiraient ensemble et elles formeraient une famille tout ensemble. Les préparatifs et les adieux terminés, elles se mirent en route. Ruth dut quitter son pays qu'elle connaissait, les gens qu'elle connaissait, qu'elle fréquentait, les coutumes qu'elle avait pratiquées, pour aller dans un lieu, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, pour vivre avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Puis, soudainement, sa belle-mère s'arrêta sur le chemin. Elle se rendit compte que c'était trop pour ces deux jeunes femmes, ses chères belles-filles qu'elle aimait tant, de quitter leur peuple et de la suivre. Ainsi, sa belle-mère encouragea les deux jeunes femmes à retourner dans leur propre village natal et à commencer une nouvelle vie. À contre-cœur, sa belle-sœur fit demi-tour. Avez-vous déjà été dans une situation pareille? Oui, non, peut-être. Pas encore. Donc, sa décision fut ferme et très claire, la décision de Ruth, et nous pouvons la lire dans Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. » Voilà mon histoire, merci. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Belle décision, n'est-ce pas? Et vous, l'avez-vous décidé? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. C'est une journée de prière pour chaque femme, pour nous toutes, pour nous tous, les femmes, hommes, familles, foyers qui sont présents ce matin. Et nous allons prendre un temps de prière ensemble, en famille. Nous allons prier pour l'organisation de notre église, pour toutes les femmes ici également présentes, aussi bien que les papas, les enfants. Nous allons nous mettre ensemble, nous allons prendre ce moment de prier ensemble pour les familles, notre premier temps. Êtes-vous d'accord? Un jour de prière à notre Dieu. Mettons-nous en groupe, ceux qui sont célibataires, regroupez-vous ensemble. Voilà, les à deux, à trois, et puis regroupez-vous par là derrière, pas trop serré non plus. Un petit temps et nous allons continuer après avec la suite de l'histoire. Merci.
Amen. Nous allons poursuivre avec la quatrième histoire et sera présentée par notre sœur Tauhere. Bonjour à tous, moi ça va? Donc nous sommes arrivés à notre quatrième histoire. Je commence. Il fait quoi? S'écria cette jeune femme sous le choc. Il est couvert de cendres, ses vêtements sont déchirés, il pousse des gémissements, lui répondirent ses servantes. C'était une terrible nouvelle. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait à son cher oncle. Elle avait grandi avec lui, il avait entouré d'une profonde affection et avait tout fait pour qu'elle ait le nécessaire pour son développement. Suffisamment de nourriture, un abri et une bonne éducation. Alors, elle se souvint du jour où elle quitta sa maison pour rejoindre d'autres femmes au palais royal. Puis, il y eut aussi le banquet extraordinaire donné en son honneur lorsqu'elle devint reine. Est-ce que vous voyez Esther? Assez bien. Mais elle revint à la réalité. Pourquoi son oncle refusa-t-il les vêtements qu'elle lui fit envoyer? Et puis, elle découvrit la vérité. Comment imaginer une nouvelle si mauvaise? Bien qu'elle fasse maintenant partie de la famille royale, elle ne participait pas activement à la politique de l'époque. Son oncle, par contre, se gardait très informé de ce qui se passait. Il lui expliqua qu'un édit avait été publié ordonnant de tuer tous les Juifs. Il apprécia de voir le roi, de demander grâce et de plaider pour ce peuple auquel elle appartenait elle aussi. Elle était très au courant du protocole du palais. Quiconque s'approchait du roi risquait la mort, à moins que le roi ne fasse preuve d'une miséricorde particulière en lui tendant son sceptre. C'était très risqué. Elle ne pensait pas pouvoir faire ce que son oncle lui demandait. Mais selon son oncle, cette situation était peut-être la principale raison pour laquelle Dieu lui avait permis de parvenir à la royauté. Si elle n'intervenait pas maintenant et ne se battait pas pour son peuple, elle était également menacée et Dieu trouverait un autre moyen de les aider. Avez-vous déjà été dans une position de leadership où vous deviez prendre une décision difficile? Vous deviez vous lever pour affronter certains problèmes ou vous deviez parler au nom d'une personne qui n'avait pas de voix mais qui comptait sur vous pour communiquer à sa place. Si oui, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Avez-vous parlé ou êtes-vous restée silencieuse? Qu'avez-vous ressenti? Qu'auriez-vous fait dans la même situation? La jeune femme, elle, considéra sérieusement les paroles de son oncle. Puis, elle lui envoya sa réponse. Nous pouvons le lire dans Esther, au chapitre 4, verset 16, qui dit « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'irai. Amen. Nous allons encore passer dans un temps de prière. Et pour cela, je vous invite à prier pour les dirigeants de la mission que nous venons d'entendre, notre président Roger Tétouanoui, est-ce aussi bien que le secrétaire et trésorier. Voilà, nous allons prier pour les dirigeants, pour la stabilité de la paix
dans notre pays également, dans notre église, dans nos foyers, et prier également pour la tolérance religieuse. Ça va? Trois thèmes. Pour nos responsables, stabilité de la paix et pour la tolérance religieuse. Alors pour cela, eh bien, nous allons prier par bons. Ça va aller? Regroupez-vous par bons. Merci. Thank you.
Alors, nous avons entendu 4 histoires sur différentes femmes de la Bible. Et si nous en racontions une au masculin? C'est la 5e histoire qui sera présentée par notre jeune Thierry. Merci Thierry. Avec lui, hein? Il est plein de zèle aussi, plein d'amour. Merci Thierry. Bonjour et bon sabbat à tous. Alors, mon histoire va parler d'un leader visionnaire. Il avait clairement vu l'avenir et avait essayé de préparer son équipe à ce qui allait arriver. Il savait que pour eux, ce serait une période très dure. Alors, il tenta de les préparer pendant des mois et des années. Ce fut en vain. Ils étaient complètement aveugles à ce qu'ils entendaient. Cette soirée-là fut la dernière qu'il passa avec ceux de son équipe qui étaient les plus proches. Un dîner entre amis. Il n'y avait pas de meilleure façon de passer une dernière soirée ensemble avant le grand événement. C'était l'une des occasions annuelles où les familles se réunissaient pour ce repas. Cependant, il voulait que celui-ci soit mémorable, alors il fit des choses très spéciales. Quand le dîner fut terminé, ils allèrent se promener. Il leur dit que cette nuit même, ils verraient quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Ils aimaient leur chef et appréciaient de passer du temps ensemble. Encore une fois, ils ne comprenaient pas ce que leur leader voulait dire lorsqu'ils avaient mentionné qu'ils se détourneraient de lui, que leur foi serait ébranlée à cause de lui, qu'il aurait honte de lui et le quitterait. Le leader savait à quel point ces hommes seraient dévastés. Il devait trouver un moyen de leur redonner espoir. Quelque chose dont il se souviendrait, quelque chose qui les ferait sortir du gouffre vers lequel ils s'enfonceraient. Quelque chose de simple mais de profond. Alors, avez-vous trouvé de qui il s'agit ? Je vous invite à prendre votre Bible et à aller dans Matthieu 26, chapitre 31 à 32. Alors Jésus leur dit, « Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Ce n'était pas la première fois que Jésus disait « j'irai », bien avant que les péchés n'arrivent dans ce monde et qu'une solution ne soit nécessaire, il avait dit « j'irai ». Même s'il savait que cela allait être difficile, très difficile. Il vivrait une expérience douloureuse. Il serait incompris, déshonoré, haï, traité avec indignité, séparé de son père, et pourtant il a dit « j'irai ». Pour quelle raison quelqu'un choisirait-il une telle mission? Voilà, c'est fini. Alors, aujourd'hui, nous avons rencontré Rebecca, Déborah, Ruth, Esther et Jésus. Eh bien, ce sont des personnages qui ont, dans leur vie, qui ont rencontré des moments importants et qu'il fallait prendre une décision. Ils avaient tous une chose en commun. Une chose, à un moment crucial, que cela les affecte personnellement, comme Rebecca et Ruth, et ou collectivement avec Esther, Déborah et Jésus. Ils devaient prendre une bonne décision. Et un bouleversement, justement, s'annonçait pour chacun d'eux face à cette situation. Et on peut résumer cela par leur réponse qui disait « j'irai ». Alors, nous également, aujourd'hui, nous sommes également confrontés à une décision. Nous avons quelques exemples. Nous prenons quelques exemples dans la vie. Dieu nous appelle à aller voir notre partenaire, notre conjoint, pour lui demander pardon.
Nous l'avons blessé dans le passé. Que répondrons-nous? Dieu nous appelle à voir nos voisins, envers qui peut-être nous avons eu des petits soucis. Invitons-les à un repas. Écoutons également leur histoire. Partageons avec eux la façon dont Dieu a changé notre vie. Que répondrons-nous? Un autre exemple, Dieu nous appelle à aider les sans-abri, les SDF. Offrons-leur à manger ou alors des vêtements, du travail. Asseyons-nous près d'eux ou également est-ce que nous nous asseyons près d'eux? Est-ce que nous les écoutons? Disons-leur à quel point Jésus compte pour nous. Que répondrons-nous? Dieu nous appelle à nous rendre également dans un autre pays pour y vivre et travailler et y changer et partager l'évangile à travers notre vie. Que répondrons-nous? Le Saint-Esprit murmure à notre oreille. Où Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui? Que répondrons-nous? Que l'amour de Jésus nous donne le pouvoir de répondre, j'irai. Amen. Je vais inviter nos belles femmes à terminer par ce merveilleux chant. J'irai.
invite à vous lever. Notre Dieu, notre